Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui en fait à la gamme pentatonique avec des chromatismes, hein, d'accord, ok. Là, ça, en ce moment, c'est mon truc du moment, c'est ce que je m'entraîne à faire parce que, bon, ben, entre autres, j'écoute Guthrie Govan. Voilà, en ce moment, j'écoute pas mal de blues. J'en ai vraiment, vraiment jamais réellement fait du blues, sauf quand j'étais petit, en fait. Voilà, en gros, j'ai un peu commencé, on va dire, mes solos en faisant des trucs un peu bluesy, quoi, comme tout le monde. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, enfin, ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas vraiment fait de blues, et je sais pas pourquoi depuis quelques semaines j'écoute beaucoup plus de blues que ce que j'en ai écouté en fait ces 20 dernières années, oui, même plus que ces 20 dernières années, c'est 25, puisque oui, en gros, ouais, enfin bon, peu importe. Mais donc en fait, en ce moment, je m'entraîne à faire ça, donc à phraser. Il y a une personne qui m'a demandé ça dans une vidéo, si je faisais quoi, qu'est-ce que je faisais en fait dans ma dernière impro d'ailleurs, où en fait j'essaye de faire ça. D'ailleurs, il y a eu des, je sais pas pourquoi à l'export, il y a eu des comment ça s'appelle, l'image est décalée à des moments, je sais pas pourquoi. Voilà, enfin bon. Les mystères de iMovie, quoi. Donc, qui est génial, hein, ce logiciel génial. Donc, en fait, voilà, ce que je m'entraîne à faire en ce moment, c'est faire de phraser, par exemple, des chromatismes dans mes pentatoniques. Donc, je me sers de la gamme blues qu'on a vue hier, hein, ok. Par exemple, j'ai ma gamme blues, je vous donne un exemple, je vais m'amuser à faire. Donc par exemple, vous avez qu'à faire, en fait, déjà vous avez votre gamme, là je pars de mi mineur pentatonique que tout le monde connaît, hein. Pareil, si vous connaissez pas bien vos gammes pentatoniques, je vous conseille d'aller les apprendre, hein. Elles sont dans des centaines de vidéos sur internet. Donc par exemple, ce que j'ai entendu, par exemple, ce que fait Guthrie Govan dans ses impros un peu bluesy comme ça, là où il met des chromatismes, il fait par exemple ce qu'il y a, par exemple, entre, vous voyez, vous avez votre gamme pentatonique comme ça. Hein, admettons, ben lui, il va faire. Des fois, il fait des doubles notes, des fois, il fait. Et là, il fait le mode dorien, en fait, blues, vous connaissez ce plan un peu qu'il utilise dans le métal. Donc. Voilà, et donc ce que je vous conseillerais à faire, en tout cas ce que je m'entraîne à faire et ce que je maîtrise pas du tout encore bien, j'ai essayé de le faire dans mon impro aujourd'hui là, que j'ai fait un petit backing track, que j'ai fait en 5 minutes. L'impro, pareil, c'est une des premières prises, hein, je me suis pas pris la tête, c'est le cas de le dire. Alors, ce que je fais, par exemple, moi, je mets une boîte à rythme lent et je m'entraîne à. Parce que ça, pareil, ça sonne bien quand c'est joué un peu vite. Après, ça. Ça, phraser lentement. Si vous phrasez lentement, essayez de mettre plus des valeurs longues. Des valeurs longues et des plans de blues, hein, plutôt que des chromatismes dans vos impros, hein. Donc par exemple, ce que je m'entraîne à faire, c'est. Je fais des sexolés comme ça. Thank you.
sur une corde, hein, voyez. D'accord. Donc déjà vous avez votre gamme pentatonique, hein, puisque je pars de, je me balade, hein, voilà. Et entre les, déjà entre les notes, vous rajoutez des chromatismes. Pareil sur votre gamme pentatonique que tout le monde connaît ici en mineur à 12e case, hein, d'accord. Ok, ben lui ce qu'il fait, on l'entend bien, il fait. Il n'hésite pas à faire ça. Et il mélange quoi. Voilà, donc ce que je vous conseillerais c'est. C'est en fait travailler ce genre de truc. Lui, je pense que ça lui est venu parce qu'il a fait de la country en fait. Hein. Attendez, est-ce que j'en ai un de truc là, un peu. Un shuffle. Hein, donc en cheval là je faisais un sextolé, mais vous pouvez le faire en. En fait en shuffle, donc en truc blues quoi. Je me mets une boîte à rythme mais j'essaye de faire des plans, de me déplacer sur une corde, de faire des. Par exemple.
Voilà, hein, donc c'est, vous faites du fooling mais cadré. Parce que, par exemple, je... c'est un bon moyen. Voilà, c'est un bon moyen de faire du shred sur la gamme pentatonique, donc c'est tous ces petits chromatismes auxquels on a droit. Trigovan, il fait beaucoup ça aussi, 4 notes par corde, comme ça en chromatisme. Ok, alors les gars, je vous dis à demain pour un autre épisode du Guitar Vogue. Bye, ciao.